termine mon défi. En fait, aujourd'hui, c'est facile parce que je peux déjeuner. Alors, je suis très, très, très heureuse de pouvoir manger avec ma famille. En fait, j'ai réalisé cette semaine en faisant le défi les impacts négatifs qu'on a sur nous en débutant la journée avec un estomac vide. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à l'estomac, j'étais irritable, j'avais faim tout le temps. Donc, je peux seulement imaginer c'est quoi un enfant. Je suis contente de l'avoir vécu pour vraiment mieux comprendre la situation. Et on peut aider, c'est ça qui est le fun. On peut s'impliquer dans le club des petits déjeuners, on peut faire un don au club des petits déjeuners ou on peut également acheter des céréales Kellogg's en cette rentrée scolaire. Et pour chaque achat, bien, Kellogg's va faire un don jusqu'à concurrence de 100 000 $. Donc, c'est beaucoup de sous pour cette magnifique cause. Et puis, merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Et là, ce matin, je ne sais pas si vous voyez sur la table, on a des croissants, on a un gros déjeuner. C'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, on fête nos 11 ans de mariage. Donc, on a voulu faire un déjeuner spécial. Puis, habituellement, vous m'aurez vu en pyjama aussi. Je ne me suis pas habillée pour la capsule, mais j'arrive de rythme FM. J'avais ma chronique ce matin. Donc, voilà pourquoi je suis habillée et pas en pyjama. Donc, bonne journée, bonne fin de semaine. Puis, encore une fois, merci de m'avoir suivi dans ce défi. Et à la prochaine. Bye bye!